pour Santos qui joue en maillot le long numéro 2. Arrière gauche, marche numéro 3. Le Racing joue en maillot bleu, rayé blanc, culotte blanche. Intérieur gauche, Sénac numéro 10 et ailier gauche, Guillot numéro 11. Eh bien, je vous l'ai dit en commençant, je crois, ce commentaire. La présidence est Dorval. Coutinho, le numéro 9, qui avait la balle, qui va passer à Pelé. Pepe qui est Formiga. Formiga, Coutinho, Pelé, le voici. Regardez-le bien, c'est le meilleur attaquant brésilien. D'ailleurs, vous le connaissiez déjà depuis la Coupe du Monde de Stockholm en 1958. Pelé est le footballeur le plus réputé du monde. Ce coup. Vous avez vu cet air nonchalant, ce tir qui n'avait l'air de rien mais qui était... Dorval à mi-temps, je vous rappelle le score, 1-0 en faveur de Santos. Interception par un Brésilien. Pelé. En avant pour Dorval. Dorval qui, ici que Marcel soit... Mangalvia Coutinho. Vous avez lui être décoché. Pelé qui a talonné, mais il s'embrouille parfois dans la balle. À nouveau la balle à Pelé. Pelé qui n'a pas été extraordinaire jusqu'ici. Il cherche une ouverture. Est-ce qu'ils vont la trouver au centre? Cela ne veut pas dire que les Brésiliens ne vont pas se ressaisir. Pelé à la balle. Est-ce que nous allons voir du grand Pelé? Est-ce que nous allons voir ces acrobaties dont il est... Calvé Moro. Et certainement que dans l'équipe de Racing, le numéro 4, Tibari, qui joue au poste d'ailier gauche, joue en réalité troisième arrière. Et c'est nécessaire étant donné la virtuosité des attaquants brésiliens. Ici, Pelé. Pelé Coutinho. Coutinho Pelé. Et voilà. Le long. De faire obéir ses décisions par les joueurs. Nouvelle attaque des Brésiliens par Pelé. Pelé qui d'avoir retrouvé son coup de pied. Jonglerie de Pelé. Coutinho, Pelé. Attention au tir de Pelé. Pelé pour Pepe. Et voilà. C'est le jeu, il y a un règlement, il faut l'observer. Du reste, vous l'avez vu, les Brésiliens n'ont pas protesté. Marche. Pour qui? Pour Sénac. Mangalvio était là. Pelé. Le voici. Tête de Pelé au-dessus. Et oui, je l'acquise, ce n'est pas bien sûr une faute bien grave, mais on ne conserve pas ainsi la balle entre ses jambes. Pelé tout seul avec marche. Pelé qui a résisté. Sur la tête de Pelé. Man a fait une longue tournée en Europe et que certains de ses joueurs sont fatigués. Attention aux Brésiliens. Ils sont peut-être formés par Pelé. Attention à Pelé, il est extrêmement dangereux. Et vous voyez ses passes merveilleuses. Et voilà. Beauté exceptionnelle. Il est rare de trouver des joueurs là-bas. Et Pelé était déjà Kujlaki. Il n'est pas toujours très bien compris de ses partenaires. C'est peut-être là la lacune. Du Racing, Pelé à la balle. Attention à Pelé. Zé Carlos, Pelé. Pelé qui descend tout seul. Regardez cette ouverture, c'était vrai. Retournée du Jlaki, tête de Mangalvio. Et c'est Dorval qui hérite de cette balle. Dorval Coutinho Dorval. Dorval est un ailier très rapide. Est-ce que Marcel va arriver à le maîtriser? Attention à Pelé. Pelé. Est-ce que Pelé va réussir à passer le long? Vous avez vu cette talonnade. Coutinho, Pepe. Bravo Taillandier. Mais là, les Racing Men ont eu chaud et ça n'est pas... qu'il faut vraiment être sûr de trouver un partenaire démarqué avant de se débarrasser de la balle. Pelé, Dorval, Coutinho. Pelé à nouveau, Pepe. Tir de Pepe. Et le but du Racing, ce qui fait que les Brésiliens mènent par 3-1. Je n'ose pas dire ne mène plus que par 3-1, car ça n'est peut-être pas tout à fait terminé du côté des Brésiliens. La limite...
Vous avez vu cette acrobatie encore. Senac s'est empêtré dans cette balle et dans les jambes des Brésiliens. Et c'est Pelé qui repart, qui va peut-être faire une de ces ouvertures étonnantes dont il a le secret, nous allons bien voir. Là. Malchance et maladresse font que le Racing ne parvient pas à marquer ce second but dont il a tant envie depuis le début de cette deuxième mi-temps. Hors jeu, oui. Ce qui repart par Coutinho. Coutinho, Pelé. Pelé pour qui ? Aussi redoutable, qui était la favorite du tournoi et qui va le remporter certainement haut la main. Marche Marcel aux prises avec Pelé et Dorval. C'est Pelé qui sort vainqueur de cette compétition, qui contourne partenaire et adversaire, qui veut s'approcher. Pelé Coutinho.